Gaëtan Gentil, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Bordeaux. Ben merci bien, merci de votre accueil. Vous êtes donc propriétaire d'un restaurant à Lyon qui s'appelle les Prairiales. Exactement, ouais. Restaurant Prairiales, dans le premier arrondissement de Lyon sur la Presqu'île. Et vous êtes venu de Lyon pour nous voir. Les Prairiales, ça veut dire quoi ? Prairiales, c'est le 9e mois du calendrier républicain, donc qui correspond à de mi-mai, mi-juin, et qui représente un petit peu la période des récoltes des prairies, donc un petit peu en rapport avec le côté du restaurant. On essaie de mettre en avant le côté végétal avec les fruits, les légumes et bien sûr les herbes sauvages. Il n'y a pas de spécialité dans ce restaurant, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Vous avez par contre une ouverture vers tout ce qui est produits de saison, évidemment, tout ce qui est plantes, aromatiques, tout ça, ça vous plaît? Exactement, ouais. Non, on n'a pas forcément de spécialité parce qu'on préfère vraiment suivre les saisons. Donc, on n'a pas de cartes, ce sont que des menus uniques en carte blanche. Donc, les gens viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Et du coup, nous, ça nous permet de nous amuser avec ce que les producteurs ont à nous offrir chaque jour et de pouvoir changer la carte quotidiennement. Alors ce soir donc aux Épicuriales, comment vous avez connu ces Épicuriales? On vous a appelé? Comment ça s'est passé? Oui, on m'a appelé pour me proposer justement de venir faire un repas sur Bordeaux. Je ne connaissais pas la ville, c'est toujours aussi intéressant de sortir son restaurant et de voir d'autres personnes, donc c'est très bien. Ouais. Ce soir donc un repas évidemment servi avec bien des spectateurs, on va dire, parce que c'est un petit peu le but, montrer son art quelque part, ça vous plaît ça? Oui, c'est bien, mais c'est toujours bien d'avoir des retours aussi clientèle, parce que c'est autre chose que dans notre restaurant. Donc ça permet de voir d'autres personnes, d'aller à leur rencontre et puis d'avoir un échange et puis comme ça de faire évoluer aussi notre cuisine. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? On va commencer par l'entrée. Alors l'entrée, donc on va être sur un plat à partir d'asperges parce qu'on est encore en pleine saison, donc de l'asperge verte avec un biscuit de brochet parce que voilà, en tant que chef lyonnais, donc on essaie quand même de mettre un petit peu en avant les spécialités lyonnaises, mais tout en le retravaillant du coup avec le côté végétal, donc avec une sauce à la mélisse. On part sur un bouillon d'oignon, donc un petit peu le principe d'une soupe à l'oignon, donc on fait infuser avec les feuilles de mélisse, donc mélisse qui est une herbe qui dégage un petit parfum, un petit peu de citronnelle. Et puis voilà, qui est légèrement montée au beurre pour avoir une petite émulsion, une sauce assez légère. Le plat, donc on va être sur un bar de ligne qui va être servi avec de petits pois, donc là encore en pleine saison avec le printemps, et une émulsion qui elle est à l'amande grillée, donc à l'ail nouveau et à l'amande grillée, donc c'est pareil, le printemps, donc l'ail nouveau qu'on arrive à avoir encore, et puis le côté amande grillée pour apporter un petit peu le côté toasté et de richesse un petit peu au plat. Le dessert, bah, la fraise. Parce que incontournable au mois de mai. La fraise qui va être travaillée un petit peu à côté, voilà, c'est très naturel avec des petits galets, donc un petit peu en trompe-l'œil, des galets qui vont être à la faisselle et à l'aspergille odorante, en tout cas l'aspergille odorante qui est une herbe en fait, qui partage la même molécule un petit peu que la vanille ou que le foin, donc qui s'appelle la courmarine, avec un côté beaucoup plus floral. Donc fraise et puis aneth. Voilà, pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps au plat. D'accord. Collaboration ici ce soir avec Lacoste. Exactement. Présent. Ouais. Dernière question, est-ce que vous avez des épicuriales comme ça à Lyon? Non, on n'a pas des épicuriales comme ça. Après, on a d'autres choses avec le Sierra notamment, qui reste un grand événement aussi national, international. Merci. Merci à vous. Bon séjour à Bordeaux.